Parcours numéro 17. On va réviser les deux agréments qu'on a déjà appris. Le premier, c'est le pincé qui commence par la note écrite et se joue avec la note du dessous pour revenir à la note écrite. Donc, si on considère que ceci est un do, on va jouer do si do pour le pincé. Le tremblement, lui, se joue en commençant par la note du dessus. Donc, si on considère que ceci est un do, on va jouer ré, do, ré, do. Ronde des notes. Je vous propose de commencer par dire le nom de la note, sol, de dire ensuite le nom des notes que vous allez devoir rajouter avec l'agrément, sol, fa, sol, et ensuite de venir jouer sur le clavier le résultat. Vous pouvez choisir le doigté que vous voulez, et essayez de changer un petit peu de doigté. Deuxième note, je vous laisse le temps de le dire. C'est un si. Je vais jouer avec le pincé si, la, si. Et je viens jouer avec ma main si, la, si. Ou bien, par exemple. Troisième note, on passe en clé de fa, c'est un do. Avec le pincé, je vais jouer do si do et je vous laisse le jouer. Ensuite, ici c'est un mi. Avec le tremblement, cette fois, je vais jouer en partant de la note du dessus fa mi fa mi. Et je viens jouer avec le doigté que je veux. Je continue, ceci est un la. Je joue avec le tremblement si, la, si, la. Et je vous laisse le jouer. Je continue dans la clé de fa. C'est le fa. Avec un pincé, je vais jouer fa, mi, fa. Et je vous laisse le jouer. Le même fa, mais avec cette fois-ci un tremblement. Donc je vais jouer sol, fa, sol, fa. Jouons-le. Toujours en choisissant le doigté qu'on veut. Ici, on a un la. Avec le pincé, on va jouer la, sol, la. Et je vous laisse le jouer. Et pour terminer, dans la clé de sol, le sol avec un tremblement la, sol, jouons-le. Et pour la dernière note, il s'agit d'un ré avec un pincé ré doré et on peut s'installer sur le clavier pour le jouer.